Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière, parce que un peu théorique en fait, sur ce qu'il faut savoir avant de pêcher en Martinique. Alors ça s'adresse aussi bien aux touristes qui arrivent en Martinique et qui veulent pêcher un coup que aux pêcheurs occasionnels martiniquais qui n'auraient pas eu trop le temps de se renseigner avant de commencer. Du coup, tout ce que je vais vous dire, c'est pas forcément des infos les plus réjouissantes. Alors pour faire passer ça, on est dans le sud et on va essayer de profiter des beaux paysages. Il fait un temps magnifique. Donc là, on est à Sainte-Anne et on est après les Salines, donc au niveau de la Table du Diable. C'est vraiment superbe ici. Donc comme ça permet d'allier l'utile à l'agréable, comme on dit. Bon, on va commencer par le point qui fait peut-être le plus mal, c'est la réglementation. Alors comme tout, il faut malheureusement une réglementation, ou heureusement d'ailleurs, ça dépend du point de vue. Et pour la pêche en mer, pour ceux qui pêchent habituellement en métropole dans des cours d'eau, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de permis de pêche ou de carte de pêche, mais il y a quand même une réglementation du pêcheur de loisirs. Donc on va essayer de balayer ça. Il n'y a pas de période, bon, or pour les lambis, langoustes, etc. Mais pour les poissons, en tout cas, il n'y a pas spécialement de période. Donc c'est déjà une bonne chose, une liberté, on va dire. Pour vous montrer. Hop. Ici, on a la Table du Diable. Et là, l'île des Cabris, avec le phare de l'île des Cabris. Donc. Alors, le point numéro 1, ça va être les espèces et les tailles réglementaires. Donc en gros, il y a eu un mémento qui a été rédigé par la direction de la mer, que je vous conseille de regarder. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, ainsi qu'une brochure de la Sommaire qui résume un peu toute la réglementation en termes d'espèces et de tailles. Donc je vais vous afficher la brochure là. Comme on peut voir, il y a certaines espèces qui sont interdites à la pêche. C'est par exemple les requins, les raies ou les poissons à rostre comme les marlins, les espadons. Mais il y a aussi les mérous qui sont interdits. Or, mérous qu'on prend le plus souvent, c'est-à-dire les watalibis et les couronnés. Donc pour le coup, il n'y a généralement pas trop de risque de prendre autre chose. Enfin, personnellement, j'ai pas pris beaucoup plus de mérous que ceux qui sont autorisés. Il y a les poissons perroquets et les poissons balistes aussi qui sont interdits. Donc faut regarder la liste. Et les autres espèces, ça doit faire tout. Alors ça, c'est un cas général pour tous les poissons. Il doit faire au moins 15 cm. Donc après, il y a des exceptions sur les petits poissons qui feront jamais cette taille parce que les couliroux, les choses comme ça, parce qu'ils restent petits. Mais pour les poissons, c'est 15 cm minimum. Et après, au cas par cas, généralement, c'est 40 cm le seuil d'au-dessus pour, par exemple, les sorbes, les sardques jaunes, les capitaines, les pagres dans le chien, dispo, etc. Donc 40 cm, ça fait déjà du beau poisson, donc faut faire attention à ce qu'on capture. Après, si c'est juste pour relâcher, il n'y a pas de problème, quoi. Et pareil, perroquet et chirurgien, c'est 22 cm. Donc faut garder ça en tête. Après, il y a encore des exceptions pour les thons rouges qui doivent faire 1,15 m. Mais bon, de là à prendre des thons rouges, c'est pas tous les jours. Et la coryphène, c'est 56 cm. Voilà pour les tailles. Le deuxième point, c'est les zones protégées ou interdites à la pêche en général pour raisons environnementales. La Martinique a une faune aquatique, mais aussi terrestre d'ailleurs, assez unique, donc il est important de la préserver. Et pour ça, on a quelques secteurs qui sont interdits à la pêche. On a par exemple les réserves de pêche. Alors il y en a une côté Nord-Caraïbe vers le Prêcheur, donc c'est une réserve de pêche avec un zonage un peu compliqué, donc je vous conseille de regarder la cartographie, parce que en fonction de la zone, on peut pêcher du bord ou non, etc. Donc vérifiez la carte quand vous êtes au Prêcheur. Et il y a une autre réserve, c'est autour des îlets de Sainte-Anne, donc en gros pas très loin de là où je suis là. Les îlets de Sainte-Anne, c'est 100 mètres autour des îlets, donc ça vous concernera pas forcément, parce qu'il faut y aller en bateau exprès et le périmètre est assez petit, donc c'est pas forcément très contraignant. Ensuite, on a un autre secteur qui est interdit à la pêche. Là, c'est plus pour préserver la ressource. C'est les zones de cantonnement de pêche. Alors, on a plusieurs zones de cantonnement. On en a une à Casse-Pilote, entre Fond Belmar et Fond Bourlet inclus.
On en a une autour de l'île Ramier, ce qui comprend l'Ansala, nos trois îlets. Hein. Et on a une zone de cantonnement à la baie du Trésor, donc presqu'île de la Caravelle. Donc ça c'est pareil, c'est pour préserver les poissons, interdit de pêcher dans ces lieux-là, donc on évite. Après on a une zone un peu spéciale, c'est une zone d'activité sous-marine du Potio. Donc c'est juste au sud de la plage du Carbet, c'est une petite zone où la pêche est interdite. C'est pareil, c'est en proche côtier, donc ça gêne pas plus que ça. En plus c'est au ras des falaises, donc pour la pêche à pied c'est quasiment impossible d'y aller quoi. Pour ce troisième point, c'est les zones interdites à la pêche, mais pour des raisons sanitaires cette fois. Alors c'est des secteurs beaucoup plus grands qui sont malheureusement dus à une pollution des eaux liée à la chlordécone ou au chlordécone comme on veut. Le chlordécone, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pesticide qui a été utilisé entre 1972 et 1993 en Martinique, mais pas que d'ailleurs, pour lutter contre le charançon du bananier. Donc c'était utilisé dans les plantations de bananiers. Ça a pollué énormément la terre et en ruisselant, ça a pollué aussi les mers et donc la faune marine et la flore, bien sûr. Il se trouve que malgré le fait que ça a été interdit dans les années 90, les terres sont encore vraiment polluées et les eaux aussi. Et ça pose quelques problèmes de santé. Donc pour ça, un certain nombre de secteurs en bas de bassin versant des plantations de bananiers ont été interdits à la pêche. Déjà, commençons par l'eau douce. Tous les cours d'eau de Martinique sont interdits à la pêche à cause du chlordécone. Donc déjà, c'est facile à retenir. Pêche en eau douce, pêche en rivière, interdite en Martinique. Donc on oublie. Et ensuite, niveau maritime, on a quasiment les deux tiers de la côte atlantique qui sont interdits à la pêche, principalement dans les fonds de baie du François, du Robert, du Galion et sur le littoral au nord de la Caravelle jusqu'à Macouba. Donc ça fait vraiment une grosse portion qui est interdite à la pêche à cause du chlordécone. Côté Caraïbes, on a tout le fond de baie de Fort-de-France qui est concerné par l'interdiction. Et ça va de la pointe du Fort-Saint-Louis jusqu'aux Trois-Îlets, jusqu'à la pointe du Bout. Donc c'est pareil, ça fait quand même un gros secteur, surtout que c'est des secteurs sympathiques, mangroves, etc. Donc interdit de pêche. Alors on pourrait dire oui, mais comme on fait de la pêche sportive, qu'on relâche, etc. Est-ce que c'est quand même interdit? Bah oui, c'est interdit à toute pêche, même si on capture pas les poissons malheureusement. Bon, je pense que c'est pour une question de contrôle, c'est plus facile pour les autorités de vérifier. Mais bon. Du coup, tous ces secteurs-là sont interdits à cause du chlordécone. Le point 4, donc, c'est une question qui revient souvent aussi. C'est la ciguatera. Alors la ciguatera, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est quelque chose qui est assez spécifique aux poissons coralliens. C'est une intoxication alimentaire qui est due à la consommation d'une toxine qui est présente dans des micro-algues sur les récifs coralliens. Donc les poissons mangent ces micro-algues. Ensuite, la ciguatera s'accumule dans les poissons, dans toute la chaîne alimentaire, et à la fin, on est intoxiqué. Donc la Martinique est quand même peu touchée, même s'il y a entre 5 et 50 cas par an d'intoxication ciguatera. Ça se compte sur les doigts d'une main ceux qui sont hospitalisés, il n'y a jamais eu de mort. Donc je veux pas être alarmiste, on va dire, mais c'est un risque qui existe. Il faut aussi comparer ça à la consommation de poissons qui est énorme ici. Il y a vraiment beaucoup de monde qui mange le poisson qui pêche, sans forcément regarder les espèces et la taille. Du coup, même si le chiffre peut sembler gros, il faut comparer ça au nombre de personnes qui consomment le poisson. Je connais aucun pêcheur, tous les pêcheurs que je connais mangent leur poisson, et j'en connais aucun qui a été intoxiqué à la ciguatera, enfin qui a eu la ciguatera quoi, dans mon entourage. Ce qu'il faut garder en tête pour la ciguatera, c'est que c'est comme c'est une toxine qui s'accumule dans les poissons,
c'est principalement en haut de la chaîne alimentaire. Donc les gros poissons sont plus souvent concernés et c'est seulement certaines espèces. Là, celle qui pose le plus de problèmes, ça va être pour la très grande majorité des carangues. Et ensuite, les barracudas. Donc il y a plus rarement des cas avec les thésards, mais c'est principalement 95% des cas, c'est la carangue. Donc les très gros spécimens de carangue, si vous voulez vraiment pas prendre de risques, bah, il faut mieux éviter de les consommer, on va dire. Donc voilà pour le pour ce qui est de la ciguatera, pour ceux qui se posent la question. Alors il faut savoir qu'en Guadeloupe, par exemple, c'est interdit de pêcher toute une liste de poissons. Donc je vais vous mettre la liste des poissons interdits. Mais ça, ça ne concerne que la Guadeloupe. En Martinique, on n'est pas concerné par cette interdiction. En plus, l'interdiction en Guadeloupe dépend du secteur géographique en fonction de la latitude et de la taille des poissons aussi. Il y a plusieurs critères, donc je ne me souviens plus exactement, mais c'est à garder en tête pour ceux qui souhaiteraient pêcher en Guadeloupe, quoi. Mais en Martinique, on n'est pas concerné par ça. Donc pas d'interdiction particulière, juste à garder en tête que bon, les grosses carangues, des fois, voilà quoi. Et un des points un peu spécifiques des Antilles, c'est la sargasse. Même si ça ne concerne pas que la pêche, ça impacte la pêche, quoi. Donc la sargasse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une algue pélagique, donc qui vit en pleine mer en flottant à la surface, qui se déplace et qui périodiquement circule en banc, en mer, et s'échoue en grande quantité sur les côtes de Martinique. Donc du coup, cette sargasse, bah, elle impacte la pêche indirectement parce que ça rend certains secteurs quasi impossibles à pêcher à certaines périodes. Autant dire qu'on peut oublier tout de suite la pêche au lancer ramené au leurre du bord parce que c'est juste rempli d'algues. Pareil pour la traîne, dans certains secteurs, c'est juste pas possible. Donc ça va quand même impacter la pratique de la pêche sur le littoral martiniquais. Après, en contrepartie, au large, il y a des bancs de sargasses qui peuvent attirer les poissons. Et on peut prendre beaucoup de bonites et de carangues, bon, pour peu qu'on ait un bateau et qu'on puisse aller directement sous les bancs de sargasses. Bon, après, ça n'impacte pas non plus si on est en bateau à la pêche au jig ou à la piscine. Ça n'impacte pas vu qu'on pêche au fond. C'est vraiment la pêche de surface qui est plus concernée, on va dire. Et du coup, les secteurs qui sont impactés par cette sargasse, malheureusement, c'est les secteurs sud-atlantique et sud-martinique, quoi. Donc c'est les derniers qui étaient pas interdits à cause du chlordécone. Non, je noircis un peu le trait, mais c'est vrai que c'est une contrainte supplémentaire à prendre en compte, quoi. Du coup, je crois qu'on a fait le tour des quelques points que je voulais voir avec vous à noter quand on vient pêcher en Martinique. Bon, le tableau, il peut sembler noir comme ça à première vue, mais il y a quand même des grands secteurs qui sont pêchables. Et tout ça dans des lieux paradisiaques, hein. Regardez ça là autour de nous, là c'est juste magnifique. Donc pour peu que vous ayez accès à un bateau, la plupart des contraintes, déjà elles ne s'appliquent pas parce que c'est du proche côtier généralement, tous ces problèmes là c'est vraiment dans la bande des 100 mètres au bord. Donc dès qu'on s'écarte un peu, il n'y a plus de contraintes. Et je vous conseille quand même de venir pêcher ici parce que bon, les poissons sont juste incroyables, combatifs, ils sont bien présents. Même s'il y a des secteurs où on ne peut pas les pêcher, là où on peut, on se régale, hein, comme vous le voyez dans la plupart des vidéos. Il y a du poisson, donc il y a moyen de bien se régaler en pêche. La liste que j'ai fait là, c'est clairement pas du tout exhaustif, hein, c'est juste ce que j'avais en tête, mais il y a sûrement plein d'autres choses à dire, et en plus, c'est à prendre en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des règles qui peuvent évoluer, c'est des choses qui peuvent changer. Autant demain il n'y a plus de sargasses, autant demain il n'y a plus de chlordécone dans l'eau. Donc aujourd'hui c'est valable, demain ce ne sera peut-être plus, et je l'espère même qu'on aura d'autres secteurs ouverts à la pêche dans un avenir proche. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc j'espère que déjà ces conseils vous auront plu. Et ensuite, je voulais vraiment vous remercier puisqu'on est arrivé à 1000 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment super, ça prouve que le contenu intéresse
et ça m'encourage à continuer, donc merci à vous. Et pour finir, je vous propose une petite vidéo bonus d'un clip fait maison avec des belles images de la Martinique, des choses que je pourrais pas caler dans les vidéos de pêche parce que pas forcément sur le littoral. J'espère que ça vous plaira, parce que si on est arrivé jusque là, je pense que c'est en grande partie grâce à la Martinique. Donc je lui renvoie la balle avec ses beaux paysages. Allez, à bientôt.